Et le Scrabax 1990 à Sindia, dans le département de Thiès, il a très tôt aimé le football. Ici, on parle de Babacar Seck. C'est quelque chose dont j'ai aimé depuis bas âge. Bon, des fois, en me voyant jouer dans la rue, bon, il y a des gens qui me disaient, donc, si tu continues ça, tu peux aller de l'avant. Et c'est en 2000 que j'ai commencé mes études secondaires, et en allant jusqu'en troisième secondaire. Depuis lors, bon, je me suis dit que bon, ben, à un moment donné, bon, je peux me concentrer sur le foot. En 2006, il intègre le Djaraf de Dakar en junior et j'ai fait 3 ans là-bas. Et occupe le poste de excentré. Il y a avec mes coachs en junior comme Maud Kane, Jean Mendy et il y a Per Wouch aussi qui habite ici tout près, qui m'ont transformé en latéral. Idrissa Niang pour Babacar Seck, le meilleur buteur du Djaraf cette saison en championnat avec 6 réalisations. Ibrahim Diouf. Moi je crois que Ismaël Dumuré doit et surtout essayer à diminuer son engagement. Deuxième journée, le nom de Babacar Seck était sur toutes les lèvres avec son triplé. Les Verts et Blancs ont mis fin à l'invincibilité de Djambar et Babacar Seck a inscrit l'unique but de la rencontre. Depuis lors, je suis plus confiant avec l'aide aussi des coachs, mon encadrement. Bon, je me dis à un moment donné que, bon, peut-être il y en a tant d'autres qui restent, Inch'Allah, quoi. Bon, quand je suis sur le terrain, je me bats pour rien, pour gagner, quoi. Bon, je mets tout ce que je peux pour avoir la victoire, comme je suis gagneur. J'aime pas la défaite. Quand je suis dans le terrain, je me donne à fond. Il est aussi capable de distiller de très bons ballons à ses coéquipiers et de faire la passe décisive. En effet, Babacar Seck possède une force de pénétration, une technique d'attaque personnalisée, efficace et une vitesse de pointe. Son plus mauvais match. La première journée, c'était contre Port. Bon, j'ai fait un mauvais match. Ouais. Je revenais d'une maladie, ben, je me suis entraîné. Quelques comme 20 jours ou un mois, je pense. Et là, bon, on a entamé le championnat. Il nous dessine les qualités d'un joueur. Un joueur doit être techniquement prêt, physiquement aussi. Physiquement, c'est l'essentiel, quoi, pour te dire. Et tactiquement. Il entretient de bonnes relations avec les autres joueurs. Avec les autres, on est bien, on s'entend, on se parle au téléphone. Le cas comme même Khassim Soumaré, le Djambar, on s'entend bien des fois. Il y a aussi Papa Marco avec qui on est toujours ensemble. Il y a autre Sireja qui me conseille beaucoup. Il y a les Djibril Sidibé, les Alpha Oumar, les Ibou Cissé, tous. Bon, on s'entend bien, quoi. Ben, ils me donnent beaucoup de conseils par rapport aux jeux. Comme ils sont plus anciens que moi, quoi. Ouais. Avec mon intégration au club, bon. Je peux dire que c'est grâce à l'aide des anciens quoi, qui m'ont bien soutenu, qui m'ont dit que tu peux y arriver, il faut y croire. Bon. Et avec leur aide, bon, je me suis dit qu'à un moment donné, ça m'a apporté quelque chose. Quoi. Il a également son mot à dire sur le niveau du championnat local. Le niveau est très bon, on voit du jeu. Et je pense bel et bien que si le monde vient pour regarder les matchs, bon, je pense bien que... Il y aura plus de jeux, quoi. Au-delà du football, il aime le... Le tennis. Son idole... Eric Abidal, bon, que j'estime bien, quoi. Bon, il est offensif et il joue le jeu, il est rigoureux dans la défense. Et comme ça, bon, je pense bel et bien avec ses capacités de jeu, si je travaille encore, je pense bel et bien que j'arriverai, Inch'Allah. Côté chaussures, il préfère... Je choisis le vert blanc, quoi. Le vert blanc. Je joue avec, ouais. Colle avec mon club de l'équipe, ouais. Et il porte du... 43 à 44. Il souhaite devenir... Professionnel. Pour aider ma famille, comme tout le monde compte moi. Et aider aussi la population Safène, dont je suis, bon. Et qui compte beaucoup sur moi, quoi. Pour vous dire, ouais. Taille... 1m80. 79 kilos, cet arrière-gauche du Djaraf de Dakar, club le plus titré du Sénégal, lâche ses derniers mots dans sa langue maternelle. Je suis venu à la maison.
bon football woné ki inam téngané wi saabi agam da torop té man sañé sañ da bu nu rakku ki ndax téngané awadi football la djéma di dék nga parce que football légui wa tollu dik ndax téngané bo mi signé contrat yi no nga rek a ligéy abonir nda jën wata mo tam nga baax quoi té inam mon gamina ben gamina wajjo min rang saabi quoi saabi pour le footballé ko asiw yenn siw ci wa yob di té wajjo min nik xam nga mais ndini ni min wona wajjezo wa kirène ciki o ca jeun yaang lu nga rang djum quoi mais ngi sañe sañ nak nu am nga def mi football nga rek da xam am bokku kin da a djem réussir nga parce que wara wa baahi nga quoi Guess it's all good. You can play the game, I'ma still do my thing. I was picking up your clothes in the closet. I was about to throw your jeans in the washer. Till I saw a piece of paper saying Tasha. I gotta say, I found this a bit shocking. It's some receipts here to say you went shopping. You bought some Nike shoes, but why you buying stockings? Boy, how could you lie to me? Thought you would die for me. I'm not accepting another apology. After 3 years, I'ma let it go. To pull out your IV. You gon' be in the emergency room. I'm fighting with myself. I can't hurt you even though you're hurt.